שלום וברכה, פרשת יתרו. הפרשת יתרו, נוסע סיסטון עודון לתורה, מתן תורה. סטחון קום תכונך הקדוש ברוך הוא אלוהים ישראל. לתורה נודיע לשון שבעות. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחנשה מישראל נגד הער. שישו את חדיו לפסוק. לתורה נודיע כ... Le troisième mois, donc Rojodesh Sivan, le Ham Israël se trouve, arrive devant le har sinai. Dans le pasuk juste après Pasouk Bet, la Torah nous dit Refidim Ils sont partis de Refidim. Et ils se sont, on nous précise une deuxième fois, Bamidba. Vaya vomitba, sina, vaya Hanou Bamidba. Ils se sont organisés dans le désert, quand ils ont campé dans le désert. Le roi Magadosh pose une question toute simple. Il nous dit la chose suivante. Logiquement, on aurait dû d'abord dire que le ami Israël a quitté Refidim, le point d'avant, pour se diriger vers Midbar Sinai. Pourquoi on nous dit dans le Passouk Aleph qu'ils arrivent au Midbar Sinai Seulement dans le Passouk Bet, ils sont partis de Refidim. On aurait dû le dire avant. Qui plus est, pose le Rahayim comme question on nous dit deux fois, Vaya Midbar, Sinai. On sait très bien qu'ils étaient Midbar Sinai. On l'a déjà dit précédemment dans le Passouk Aleph. C'est la raison pour laquelle nous dit le Rahim Kadosh que dans ce pasouk là, nous avons trois clés, trois éléments essentiels qu'on doit avoir d'une façon indispensable avant même de recevoir la Torah. La première nous dit le Rahim Kadosh, c'est ce qu'on appelle it Torah, Se renforcer dans l'étude de la Torah. C'est ce que la Torah nous dit en disant me refidim. Refidim nous dit le Rahim Kadosh cher Selon le Midrash, le peuple juif s'est laissé un petit peu à baisser les mains, baisser la vigilance, baisser la garde dans l'étude de la Torah. Il faut d'abord, avant tout, se renforcer dans l'étude de la Torah. C'est ainsi que lorsqu'on nous parle de l'étude de la Torah, on nous dit On nous parle de ha Chachem qui étudie la Torah avec force et vigueur. Enlever cet aspect de Rifion Le deuxième aspect est. Vaya Hanouba Midbar. Midbar, le désert, fait allusion, dit le Rahim Akadosh, à une Mida qu'on doit impérativement avoir avant même de recevoir la Torah. Cette Mida, c'est la Hanava, l'humilité. Se considérer comme un Midbar, comme un désert. Le désert est libre d'accès. Tout le monde peut aller dans le désert. Le désert n'appartient à personne. Si l'homme, le, le juif, le, le Ben Israël, se considère comme un Midbar, à ce moment précis, il pourra bien accéder au don de la Torah. La Torah est comparée à l'eau. L'eau, d'une manière naturelle, coule toujours de haut en bas. La Torah se trouve chez, chez des gens, chez des personnes, chez des Talmidim Hakhamim qui ont cette midah, qui est midat un La troisième vertu est han sham Yisra'el neged D'har. Rashi ramène au nom du midrash que Ish Ehad Belev Ehad. Le ham Yisra'el c'est tenu comme une personne. On parle du peuple juif au singulier. Il n'y a pas marqué. On s'est tous trouvés dans le même cœur. On avait tous le même cœur pour Akadosh Hu. Cette notion de hardout d'unité, pour recevoir la Torah, c'est quelque chose de totalement indispensable. Sans hardout sans unité, on ne pourra pas recevoir réellement la Torah. Il nous faut donc ces trois choses, nous dit l'orachim Akadosh. Premièrement, Vaïs omer fi dim enlever cet aspect de rifion daim se renforcer pour la Torah deuxièmement vey hanu midbar. d'un point de vue de midot de comportement il faut essayer de travailler sur ce point là qui est midata anava troisièmement nous dit le rokhim kadosh vey han sham isrein negadahar, qui que each had un seul homme avec un seul cœur on a nous avons qu'un seul cœur nous dit le rokhim Akadosh, qui est pour akadosh baruchu avinu shebashray chin beemet de se renforcer dans l'étude de la Torah, de se renforcer dans à Hanava et de se renforcer dans l'ardeau d'Israël afin de pouvoir recevoir la Torah comme il le faut. Shabbat Shalom.